Quand j'arrive, je suis encore chez ça du Bon Conseil. Là, je demande une année de réflexion. Là, je m'en vais vivre à Pointe-Saint-Charles. Pour moi, c'était du bonbon dans un sens, parce que j'étais avec des militants, là, euh, toutes formés, qui travaillaient là, pour l'art, la, 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 tu sais, la, le grand soir, puis tout ça. Fait que je me reconnaissais. Je me reconnaissais dans ce que j'avais pris puis ce pourquoi je travaillais là-bas. Là. Je demande une année de, 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 de réflexion. On me l'accorde sans problème. Je, je reste dans une famille avec une militante qui travaillait à la maison de quartier de Pointe-Saint-Charles. Moi, j'ai un contrat de deux ans, un an, deux ans, euh, au carrefour d'éducation populaire. Je fais des films sur le tiers-monde, donc sur la Bolivie, sur les révolutions, sur le Chip, avec les gens de Pointe-Saint-Charles. Là, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi avec le, le comité Québec-Chili. Traduisais à l'aéroport pour les Chiliens qui arrivaient, puis qui étaient arrêtés, puis qu'on mettait en interrogatoire. Moi, j'allais traduire pour eux autres. Bon, là, on les amenait à Québec-Chili, on leur donnait des, des numéros de téléphone, comme où aller chercher des, du matériel dont on travaillait avec Québec-Chili. Et là, on a commencé à faire des tournées sur Québec-Chili euh, à travers tout le Québec. Je suis allé jusqu'au Nouveau-Brunswick. On fait tout ce travail-là. Et euh, <coughs> entre-temps, ben là, c'est ça. Il y a la ciseau, la conférence. Qui, entre aussi, est dans le décor. Euh, Robert Covillon, Yves Laneuville, Chago Boivin, tous les groupes là, qui sont avec Québec Chili, puis tout ça, travaillent avec Michel Chartrain. Puis Michel Chartrain il avait dit à Robert Robert, était tellement déprimé, puis il avait de la misère à s'en sortir. Il dit Covillon... » Michel, là, dit ça, celui qui te met en prison, parce que lui, il a fait dix jours en prison, il était pogné, lui, là. il était au nord, là, puis là, je te dis qu'il en a mangé. Alors, euh, il dit, Celui qui te met en prison, là, puis qui a fait les massacres au Chili, là, il est ici aussi. Celui qui est là à hey, Haïti, la CIA, là, puis l'impérialiste, il est ici aussi, là. Mais là, on travaille ici au Québec. Là. Fait qu'il dit On va travailler ici au Québec. T'es d'accord? Qu OK. Fait que c'est là que Robert a été très, très en plein avec la, la conférence pendant euh, deux ans, le 74, le, 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 surtout 74. Là. La CISO, que ça s'appelait. Mais cette conférence-là, c'est parti d'un voyage de militants avec Michel Chartrand au Moyen-Orient en 72, que ça brassait avec l'OLP, puis les, les Palestiniens qui se faisaient massacrer et tout. Ils sont partis faire un voyage dans, dans, dans ce, ce coin de pays, là, et euh, où euh, Michel a rencontré Arafat. Semi-clandestin, là, tu sais, qu'il l'a rencontré, je ne sais pas trop où, mais en tout cas, il y a eu une bonne rencontre avec Arafat, puis Michel a pris un, un, un engagement avec Arafat. Il faut parler des Palestiniens au Québec. Va, ça, c'est pas connu, là. On n'en parle pas, les journaux n'en parlent pas, puis on va, on va en parler au Québec. On, on, on va faire une conférence internationale. Parfait. À peu près dans la même année, <coughs> il y a une grosse conférence syndicale organisée par la Coute, la Centrale Unitaire des Travailleurs au Chili. Et Michel, avec d'autres militants aussi, participe à cette, à cette conférence. Et là aussi, il dit Oui, il faut parler du Chili. Il faut parler du Chili. Puis l'IND, le, le il avait rencontré là, tous les, les gens autour de l'IND. Puis c'est une belle, 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 belle mission. Alors, avec ces deux objectifs-là en tête, Michel Chartrand revient, il en parle à son monde au Conseil central, et là, il dit fait, Ça, ça passe en, en assemblée facilement, mais là, il, il se disait il faut aller chercher les autres centrales, il faut faire ça large, là. Mais quand il en parle pour la Palestine, mais quand ils en parlent un peu à la FTQ, là, ils se disent euh, ils ont beaucoup de syndicats, quand même, euh, juifs, et puis la Palestine, c'était pas évident, là. Alors, la, la FTQ, était pas. Alors, OK, on va faire un compromis, on l'a fait large. On fait la Palestine, l'Amérique latine, les mouvements de libération et l'Afrique australe c'était en plein dans la lutte anti-apartheid, la lutte en Zimbabwe, en Angola, en Guinée-Bissau, bon, tous ces pays-là de l'Afrique australe, ça bouillonnait, puis ça bougeait, puis c'était les mouvements de libération là, qui avançaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, en Amérique latine, c'était coup d'État par-dessus coup d'État, dont le Chili, dont tout le groupe, de Québécois qui sont sortis de là et de tous les Chiliens qui arrivent ici. Puis là, c'est pas des gens de droite, c'est les gens de la gauche qui arrivent ici. Des gens là, qui, qui, étaient, euh, qui étaient passés dans les, dans les prisons, qui avaient été torturés, qu'on avait réussi à faire sortir de prison et tout. Ça bouillonne, non Pensons au Québec. Replaçons-nous en 73. Il y a eu les événements d'octobre. Il y a eu la loi des mesures de guerre. Il y a la guerre du Vietnam. Le monde là, ils sont mobilisés beaucoup L'international là, là c'est proche là. Tu sais, il y avait des réfugiés, des, des, euh, des euh, qui refusaient d'aller se battre au Vietnam, américain, qui se réfugiaient ici, qu'on rencontrait puis qui étaient des gens aussi qui étaient contre la guerre. Donc il y avait comme un mouvement au Chili. Il y a un coup d'État, c'était la démocratie. Il a été élu, il y un avec les armes C'est le Cuba, là. Puis là là, il y a un coup d'État. On, on tue un président qui a été élu démocratiquement. Il y a comme une espèce de, de grand questionnement. Et au Québec, il y a un contexte social, il y a une conjoncture qui favorise l'ouverture. Ça, ça favorise la prise de conscience, ça favorise la mobilisation et ça favorise l'unité des forces ouvrières. Premier front commun, c'est dans cette période-là. Les chefs syndicaux qui se tiennent debout puis qui défient la loi spéciale, puis envoyés en prison. Puis comme disait Michel, il disait ça en Assemblée générale, on entendait. Pas besoin d'avoir peur des prisons. Apportez-vous des bons livres, puis ça va vous servir à vous politiser puis à vous cultiver. On n'a pas besoin d'avoir peur des prisons. Les, les lois là, les lois spéciales, c'est qui qui est fait? Là? Ils font ça contre le peuple. Donc, pas de problème, là. là on y va en prison. Il faut démystifier ça, les prisons. Bon, fait que là, ça se fait une affaire de placer Fait que autres, ils étaient allés en prison, ils étaient sortis, puis tout ça, puis Michel il était toujours là, puis il envoyé de la bataille. Puis lui, quand il parle de la conférence, là, il dit, il faut aller chercher, là, large, là. C'était toute la bataille à ce moment-là pour l'augmentation du salaire minimum. Il faut aller chercher les groupes populaires, il faut aller chercher les groupes communautaires, il faut aller chercher les ONG. Et là, il ramasse sous le même parapluie, FTQ, CEQ, Conseil central ben, était, eux autres, le, le, le pionnier, les fondateurs. SUCO, euh, Oxfam, Développement et Paix, dans les grosses ONG. Il y avait Québec-Amérique euh, latine. Il euh, ben, y avait euh, Québec-Palestine. Pendant un an, un an de temps, là, ils se sont dit faut, pour parler de l'Afrique australe, de l'Amérique latine, du Moyen-Orient, puis il ne faut pas que ce soit juste des conférences, il faut, faut travailler en atelier tout ça. Bien, il faut travailler à la base. Et ça, ça a été la, 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 la magie de la conférence. C'est-à-dire, ils ont dit, qu'est-ce qu qu'on a en commun avec ces pays-là, avec le Québec? C'est les multinationales qui ferment leurs portes, qui mettent le monde dehors, puis qui déménagent leur planète à, à, dans d'autres pays, puis qui font manger de la misère dans d'autres pays aussi parce qu'ils ont des conditions de travail épouvantables. Fait que là, c'est la conscientisation. Fait que tout ça pour préparer le monde qui vient à la conférence, puis qui travaille pendant trois jours en atelier sur l'économie, sur la répartition des richesses, sur le contrôle, les lois, par qui ça vient, tout ça. Préparer tout ça, là, dans un an, là, c'était tout un défi. Mais c'était extraordinaire. Il y a eu euh, 603 personnes inscrites et participantes, des gens euh, de la Palestine, de l'Égypte, de l'Irak, de la Libye, euh, de l'Algérie. Il y avait, voyez-vous, de l'Afrique, mais où il y avait des mouvements de libération. Fallait il fallait qu'il y ait des mouvements de libération, c'est un des critères. Je travaillais au carrefour d'éducation populaire, mais j'avais un pied sur. La, 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 cette organisation qui était en train de se mettre sur pied. D'ailleurs, quand j'ai eu fini mon contrat au Carrefour, je suis rentré au secrétariat à CISO. Parce que là, et c'était pas prévu, ça aussi, qu'il qu allait avoir d un suivi spécifique de la conférence là, qui s'appelait CISO. C'était pas prévu. Michel Chartrand, c'était pas dans sa tête. Lui, dans sa tête, c'était une conférence. Puis après, chaque centrale prenait les morceaux pour donner des suites ceux qui avaient des liens avec euh, tel pays, avec tel pays, c dans son idée, c'était ça. Et moi, j'étais dans l'atelier, je me rappelle, j'étais dans l'atelier où était Simone monet le matin de la conclusion de la, pour la plénière, où c'était fini, c'était le 15. Et là, on, on parle des suites. Comment on va donner des suites à la conférence? Et Simone elle dit... S'il n'y a pas quelque chose qui est mis sur pied qui va s'appeler suite de la conférence ou la conférence, oubliez ça. Dans un an, il va y avoir pas grand-chose qui va rester de ça. Parce qu'elle dit, n'est pas vrai qu'on va retourner faire le travail dans les régions. L'infrastructure les, est toute là. Là, les comités des régions là, sont toutes formés là. C'est les comités de la conférence. Pourquoi qu'on fait pas un travail de suivi sur ça Ok, Simone. L'animateur, il dit T'en fais, fais une proposition J'en fais une proposition. Simone Chartrain propose ça, puis appuyez par, bon, bon. On arrive en plénière. Ça fait un débat, on dit Ouais, comment ça va être ça? Fait que là, Simone, elle, elle a dit C'est pas compliqué, là. Un petit secrétariat, une personne. Secrétaire général, Robert Cavillon. C'est quoi ta job, là Tu travailles où, toi, là, là? Tu as travaillé à la CISO, là. Que, que Robert Cavillon là, soit le secrétaire, là, le secrétaire général. Puis, euh, bon, les, pis là, le, les gens du Conseil central, ils ont dit Ah, oh, bien, le secrétariat, nous autres, on peut le trouver. Michel, il dit On va trouver un local. Bon, le Conseil central trouve le local. Les secrétaires, ils diront Ah, oh, les secrétaire, ils diront On va leur donner ce petit boulot-là. En passant, ils vont être bien contents de faire ça. Bon, c'est parti. Et ça fonctionne. Et les premières semaines, là, Michel Chartain, il sort de sa poche pour payer Robert. C'était son argent, lui, personnel, parce que ce n'était pas encore passé au Conseil central, comme quoi que la structure du secrétariat, puis tout ça, ça a été voté comme ça. Mais là, il fallait que ça passe dans les instances aussi au Conseil central. Il n'y avait pas de budget qui était prévu pour ça. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la restructuration... Euh, on peut dire de, de, de première étape, c'est euh, que ça devient une table à neuf personnes à l'exécutif, sont restées en 76, 77, 78, jusque dans les années 80, les, les, euh, les deux centrales, c'est-à-dire Conseil central, la CSN, CSN CEQ, FTQ s'est retiré, Développement MP s'est retiré, Oxfam s'est retiré et resté suco, Québec-Amérique latine, le secrétariat Québec-Amérique latine, qui faisait le travail de l'information, eux, sur le journal, et Québec-Palestine. Et, et deux membres de chacune des organisations étaient présents à la table, à l'exécutif. Il n'y avait pas de président, on travaillait par consensus. Ça, c'était Michel Chertrand qui voulait que ça, ça soit comme ça. Et, euh, à, euh, et Robert Covillon, avec droit de vote, représentait le secrétariat. Il était le secrétaire général. C'est lui qui convoquait les réunions, qui faisait l'ordre du jour, voir les procès-verbaux, etc. Moi, quand je suis rentrée en 2016, parce que là, j'étais en permanence, euh, supposé de travailler deux jours semaine, mais j'en travaille cinq parce que le budget donne pour deux, là seulement. Le secrétariat Amérique latine, avec Guy Lafleur, c'était notre responsable à l'information, qui était d'ailleurs une petite équipe avec Claudette qui faisait le, 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 le premier journal. Ciseaux Solidarité. Et le premier numéro est sorti un 1er mai. Où est-ce que c'est que là, on ramasse ce qui se passe dans ces pays-là qui ont participé à la conférence. Et là, on commence à penser de façon concrète comment on va faire la formation. Là, on s'est dit, OK, on fait l'information. On, on a imprimé, je pense, que 7 000 à huit euh, mille copies du journal Solidarité. Alors, on avait nos poteaux partout. La structure qui avait servi à préparer la conférence est toujours là. là. Alors, on appelait ces gens-là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Québec, à Rimouski, à Sherbrooke, à Thetford, à Drummondville, à Victoriaville. Partout où on a passé, ces gens-là sont là puis ils, ils attendent. Pas mieux, eux, qu'on leur donne des outils pour travailler, pour continuer à alimenter leur monde dans le coin. On s'est dit, on, fait, on va faire des tournées, on va inviter les, des, des gens du tiers-monde, on va faire des tournées, mais il faut faire plus, faut alimenter et structurer mieux, puis mieux former les poteaux, la, nos, nos équipes locales. Alors, on s'est dit, quoi de mieux que d'organiser des stages? Allez connaître le tiers-monde. Puis là, on pense à Cuba, qui n'était pas là à la conférence, mais qui, on est anticapitaliste, c'est bien marqué dans la déclaration finale, hein? anticapitaliste, anti-impérialiste, pour un socialiste, des nouvelles structures et tout, et tout, et tout. Et là, on a Cuba à la porte, là, qui a fait une belle révolution. C'est tout jeune, ça fait à peine euh, euh, 10, 10, 15 ans. Puis pourquoi qu'on n'irait pas voir? Alors... Mi euh, Robert Cavillon, Micheline Ticotte partent en stage. On dit, il y en a deux qui vont aller faire un stage. Comment serait le stage? Ils vont le faire, eux autres. Ils vont aller, là, on va demander, là, c'est qui, là, qu qui vont venir en stage? Les gens du secteur public, les centrales, OK. Alors, on va, on va aller visiter des écoles, des hôpitaux, des usines, le pouvoir populaire, assister à des assemblées syndicales, le pouvoir, tout, les, les groupes de femmes, on va essayer d'aller voir ça, un, un stage de 15 jours. La formation va se faire à travers. Puis, n'oublions pas que ces années-là, entre 75, 80 jusqu'à 85, là, en Amérique latine, c'est de la répression, puis de la répression, puis de la répression. Au Chili, on n'a jamais lâché le Chili. On a toujours gardé, on a toujours fait venir des gens du Chili ou qui était en exil ou qui était à l'intérieur qui réussissait à passer puis venir nous informer comment ça se passait donc on, ça c'était notre boulot l'information c'était il s'agissait d'enraciner la, la dimension internationale et que ça doit faire partie de notre quotidien. La solidarité internationale, ce n'est pas pour les voisins, c'est pour nous autres. Ça va commencer ici. Puis le monde qu'on a reçu, là, on, on garde les contacts, puis on va essayer d'aller les, 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 les faire venir en tournée, puis parler avec eux autres, puis voir c'est quoi leur bataille, c'est quoi les nôtres, qu'est-ce qu'on peut échanger pour tout ça, pour que ce soit vraiment des échanges égal à égal. Là, on arrive dans les années 80. Là, il y a le retrait du Conseil central et le retrait de la CSN. Le Conseil central nous donnait comme raison que c'était pour laisser plus la place à la centrale qui devait se préoccuper de la solidarité à travers au niveau national. Il reste la CEQ, bien sûr, mais là, je me suis dépêché à aller chercher la FIC, le SPGQ et le SFPQ. Ça, ça montait à plus de 100 000 membres. Et les démarches qui ont été faites auprès de la FTQ, qui était intéressée à s'ajouter à la table syndicale. OK, là on roule sur ça. On clenche sur les stages, on clenche sur l'information, on fait le journal, on distribue, on revitalise, on re réanime les régions. Comment? En allant chercher du monde qui font des stages, en invitant des gens de l'Afrique, de l'Amérique latine, du Moyen-Orient, de la Palestine, on fait des tournées. Ça, là, on, on vise sur ça, information et formation. Et en même temps qu'il y a ça, en 80-90, l'Afrique australe, ils continuent, les autres sont toujours dans le mouvement de libération, puis un après l'autre, ils, ils ont leur victoire, autres, ils arrivent à leur victoire. En Amérique latine, ça brasse aussi. Il y a aussi tous les gouvernements militaires, là. là, ils ravagent le monde, ils coupent les têtes syndicales, ils en finissent avec tout le monde qui bouge. Okay? Et ça, le plus bel exemple, c'est Pinochet. Mais on pourrait dire la même chose d'Argentine. On peut dire la même chose de l'Uruguay. On peut dire la même chose du Paraguay, de Bolivie, de tout ça. Et là, ce monde-là qui brasse, ça rentre dans la clandestinité et ça s'organise encore. Au Chili, il y a eu le plébiscite en 88. Le plébiscite, il y a une délégation de 13 personnes, dont des avocats, puis tout ça, qui sont allés. Yvon Charbonneau était de la délégation, Robert était qui sont allés, qui étaient présents au plébiscite. Le nom a gagné. Après ça, le Pinochet s'est retiré. Bon, là, on rentre une coalition. Là, nous autres, on s'infiltre, on va chercher des prisonnières, on les sort de prison, on ramasse toujours les, les, les réfugiés qui arrivent, on les aide, ils s'intègrent ici, puis tout ça, ben, on continue le travail. On continue toujours le travail sur l'Afrique, Amérique latine, Moyen-Orient. Détourner des, des stages d'émission, puis tout ça, là, ça. C'est dans le décor. On va toujours faire ça. Et là, l'Afrique, on est passé à l'Afrique francophone, Burkina Faso, qui avait déjà fait une révolution. Et là, c'était plus facile, c'était en français. Donc, il y avait des, des, des stages qui pouvaient se faire d'une façon tellement merveilleuse, parce qu'ils arrivaient là, c'était la même langue et tout. Avec la FIC qui venait de rentrer, on avait beaucoup de stagiaires qui voulaient aller en Afrique, parce qu'ils voulaient voir comment la, la, la maternité... Comment les sages-femmes fonctionnent. Il y avait toutes sortes d'échanges de, 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 de richesses, de techniques au niveau de la santé. La FIC a beaucoup beaucoup profité. 90, là, il y a un petit peu un, un petit changement dans le sens que le, le fonds monétaire international, le pass qu'on appelle, le programme d'ajustement structurel, le pass' là, ça passe partout. Ça rase partout. La grosse coupure de l'Acdi c'est arrivé en 1995. Nous, à Sizo, on avait eu le gros de nos subventions, c'était à peu près dans ce temps-là. Moi, quand je suis partie, là, euh, c'était vraiment, là, un, un, vraiment, vraiment un coup très, 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 très dur. Acossi commence à couper. Acossi, c'est l'organisme qui regroupe, L'Association québécoise de coopération internationale, qui regroupe une soixantaine, entre 50 et 60 ONG. OK? Ils sont tous membres. Et eux font des démarches pour une grosse enveloppe qui divise aussi aux, aux, aux ONG. Là, on voit venir ça. Là, se revient à CISO le Conseil central, revient la CSN en 1996, je crois, après, oui. La FTQ revient avant. La FTQ revient comme observateur, organisme observateur. Et là, on se dit, c'est loin d'être mort. Ça grossit. C'est quelque chose, cela. Alors, merci, 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 la vie. Ça, c'est absolument extraordinaire parce que là, tu as vraiment une table syndicale ou est-ce que c'est est, euh, est un outil, en tout cas? Qui, qui est leur petite ONG syndicale, qui est la seule en Amérique du Nord. Hein? Il y a, ça n'existe pas nulle part, dans aucune province, qu'il y a un organisme dont la composition de l'exécutif est exclusivement syndicale et qui peuvent faire les projets qu'ils veulent. Et c'est euh, libre à eux. Travailler à la solidarité internationale, c'est un plus pour tout le monde. Pour tout le monde, surtout ceux qui pensent qu'il n'y a plus rien à faire. Allez faire un tour dans le tiers-monde, frottez-vous au peuple, aux gens, puis tout ça, là. Euh, je ne dis pas, vous pas aller aux plages, là, mais, tu sais, prenez le temps d'aller voir qu'est-ce que c'est, puis on revient, puis on est transformé, puis on est heureux. Puis là, on se décide de, on travaille ici. On, on, fait, on fait quoi ici? On change ici. Changez des choses. Il y a, pas vrai qu'on ne peut pas, rien changer Ça, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais le lieu d'être réaliste, ça, ça veut dire qu'il faut faire de quoi. Mais en même temps, sans perdre l'espoir qu'on peut changer quelque chose. Il y en a de l'espoir. Moi, je regarde les jeunes, là, puis il euh, y a de l'espoir. La, la grève de 2012, là, noublions jamais. Parce que ça, c'est un bel exemple de mobilisation. Parce qu'ils n'ont pas fini juste avec la grève qui avait ouvert sur le social. Et c'est ça qui était merveilleux de l'Asie. Là, cette année, évidemment, qu'ils ont planté, puis la plus belle espèce. J'ai besoin de ça pour vivre comme j'ai besoin de manger. Moi, j'ai besoin de ce travail à la solidarité. La solidarité du co. À l'international, ça me pique au vif. Ça, je marche. T'sais. Mais la solidarité ici, aujourd'hui, ça me, me stimule presque autant. Parce que je me dis, un va avec l'autre. Un va avec l'autre. Ce qui, ce qui fait que quand je vois les jeunes là, qui travaillent ici et qu'il y a une manif, je suis rendu. Je suis, je suis là. Je suis là. J'aurais 90 ans, 95 ans. Ça changerait quoi? Ça changerait rien. Tant que je peux aller marcher, je peux aller dans les manifs puis tout ça. Bravo, on y va. Puis on, on échange de nos expériences. Moi, je pense que c'est vivant. Partie du moi, où c'est vivant, mais ça, ça donne des fruits. Qu'est-ce que ça fait? Ça te fait vivre. Ça te donne de l'énergie, ça te donne de l'oxygène, ça te donne un sens. Sens à ta vie. Sinon, pourquoi tu vas vivre? Pourquoi tu es là, ça la terre? Tant qu'à ça, berce-toi comme une bonne femme, là, à, à compter les heures, puis tic-tac de relouche, puis euh, fais-toi des histoires. Mais il y a quelque chose de bien plus grand, puis bien plus euh, stimulant en allant à une manifestation, en s'engageant dans un comité. Même si je concerne des fois, j'apporte très peu, mais je suis là. Je suis là au lieu de dormir, puis me bercer dans le salon. Puis, tant que je serai là, puis Dieu veut me donner la santé pour être là tout le temps. Tout le temps, puis quand je ne serai plus là, paf, je pars vite. C'est ça que ça' le plus beau. Le plus beau de ma vie, ça serait ça. Tu travailles jusqu'au bout, en main, à planche, puis là, tout à coup, c'est fini, c'est fini. Bien, c'est fini pour autre chose. Moi, je ne suis pas fini. Fait que, tu sais, au fond, c'est très beau, la vie. C'est beau, ça a été rough, les périodes, quand j'ai Dieu sait s'il y en a passé, des, 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 des moyennes, puis des pommures, puis tout ça. Mais il y a toujours un sens. Il faut toujours que ça ça soit intégré pour aller plus loin. C'est comme un marche-pied. C'est comme, tu sais, c'est un tremplin. Tu vas plus loin, tu vas plus loin. C'est le tremplin. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux à, 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 à ciseaux que dire longue vie? Il faut que l'héritage qui est laissé aux autres générations aille beaucoup de plus loin parce que c'est inspirant. Parce que c'est quelque chose qui va rejoindre les pays du tiers-monde qui en arrachent bien plus que nous autres. Il faut y mettre le paquet avec d'autres qui croient à peu près la même chose, qu'on y va ensemble, qu'on est capable de changer quelque chose. Moi, je pense qu'on on est privilégié au Québec. Il faut être reconnaissant de ça et surtout ne pas lâcher puis. Comme disait l'autre, la lumière s'éteint dans un stade, il y a une allumette qui reste, mais allume-la, ton allumette. Puis tu vas faire le chemin à bien du monde au lieu de tomber dans l'escalier. Fait que, tu sais, c'est ça, ta petite allumette. C'est ça. Mais tu allumes. Tu allumes ce que tu peux allumer, puis tu fais ton bout. Avec ça, non, il n'y a rien de tout ce qui nous est demandé. Mais qu'on fasse le bout qu'il nous a demandé, est demandé, c'est tout. Là, je pense, moi, en tout cas, à mon âge, là, je n'ai pas, pas d'autre chose à faire, mais il faut que je fasse le bout qui me reste à faire. Avec plaisir, avec joie.